Elle mange de la confiture d'orange. Elle en a plein les doigts. La fille que j'aime. Est-ce que vous aimez le rock and roll? To a party in the county jail. Been down, down, and I can't know where. So I jump down to help a girl to swing. So I'm not that jealous thing. That's rock. Sales. Everybody loves rock. Everybody loves it rock. But it makes you tear a hole. I'm a chain on a saxophone. Pinch on grown on a slide trombone. I'm got eggs on a grapefruit bread. The whole rig was sax on a purple. C'est moi. Lionel. Salut, je m'appelle Dan. Bonjour, je m'appelle Richard. Bye. Joël. Racontez un peu comment ça se passe. Vous avez commencé à faire uniquement du rock'n'roll ou bien déjà des chansons à vous Oui. Non, tout était de nous. Enfin, on a toujours fait du rock'n'roll, mais... Vas-y, Richard, tu as fait du théâtre. T'as fait du théâtre, Richard. Toi qui as fait du théâtre. C'est moi qui ai fait du théâtre. Laissez parler Riton. Bon, alors vas-y. Non, il se passe que... Et alors, voilà. Justement, ça se passait comme ça. Donc, au départ, on faisait évidemment les chansons à nous. Mélangé avec des chansons qu'on aimait bien, des Beatles, des gens comme ça, un peu de James Joplin. Jamais... Si, on a jamais fait une chanson. Si, on a fait des Beatles. Bien Poupoule, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Arrêtons, on continue, mais sérieusement. On lui a jamais résisté. Elle, c'est la femme araignée, c'est vrai. Crois-nous, mon gars, c'est vraiment mal parti pour toi. Qu'est-ce que c'est justement la première fois, qu'est-ce que vous avez fait d'avoir des fans, d'avoir des gens qui vous demandaient des autographes, etc. Ça fait vachement plaisir. Ouais. On est très flattés. On est gênés. À ce niveau-là, dernièrement, on n'a pas encore démarré. Mais je pense que cette année, on va démarrer. On me demande même si on est sur les affiches, d'ailleurs. Ouais, je crois. Saint-Denis,
Eh bien, puisque nous sommes dans la série des hommages, nous allons maintenant vous interpréter une chanson à l'intention d'un ami commun que vous connaissez tous, qui s'appelle Michel Polnareff. 1, 2, 3. Comment ça va, y a-t-il du soleil chez toi? Tu te rappelles, 2 ans déjà, pas des lasses dans tout l'Olympia. Nous en voulons à cet avion qui partait pour les Américains, en emportant avec lui tes lunettes et ta musique. C'est depuis que tu es parti, le revers de ton anatomie se vend très bien. J'aurai même dans ma chambre en quadrichromie. Ça marche tellement que tous les gens qui râlaient de te voir afficher font la queue devant les ciné pour en voir d'autres bouger. Les bateaux et les oiseaux sont dans la maison vide. On a rencontré Nini, Elviston à Saint-Denis. Elles iront toutes au paradis. Et quand on a vu ce que faisaient tous les autres groupes, on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire nous aussi. Alors on a été les regarder pour voir tout ce qu'il fallait faire, piquer tout ce qu'ils avaient de bon. Et regarde aussi tout ce qu'il, regarde aussi tout ce qu'il fallait pas faire. Depuis si longtemps, venir chanter un soir, on te trouvera, c'est promis, une bouffée qui dit oui. Les gens, enfin surtout le public français, il aime pas qu'on leur fasse peur. Et je crois que la musique des groupes en France a trop souvent fait peur aux gens. Alors on a essayé de pas leur faire peur, ça a été difficile, surtout avec le physique de Dan. Ouais, on en passe juste la meuf. Je vais essayer de m'améliorer là. Les gens sont, on est à la limite là. On s'est rendu compte que on avait laissé tomber les costumes de scène dans les groupes, donc on a repris déjà ça. Bon attends, les manches sont un peu serrées là, tu vois. Je vais leur faire bien mieux parce que faut que tu sois à l'aise. Pour voir si c'est un vêtement de scène, il faut mieux que tu puisses un peu bouger. Hein. C'est bien, vous avez pensé si j'avais envie d'aller aux toilettes en plus. Ouais. C'est ça que c'est. Bon, si t'as envie d'aller aux toilettes pour un truc, hop, voilà. T'as la poignée. Attends, parce que là c'est coupé sur mesure. Ouais. Tu cintres un peu, hein. Ouais. Okay. Attends, un peu plus cintré sur le côté gauche. Tiens, ferme la braguette, Bien. Attends, on les fermera la braguette après, c'est juste pour partir. Non, mais juste une cravate, il me faudrait. Ok, d'accord. Une petite cravate pour être. Pas trop serré, quand même. Non, pas trop serré. Comme ça va. Ouais, vas-y. T'es sûr que j'ai pas l'air bête avec ce truc-là? Ah non, super, tu me promets. Très élégant. Ouais, bon, ça va, je te crois. C'est formidable, bien cintré, là, vraiment, t'es plein derrière. Bon, ben, j'y vais parce que je te tiens, c'est en train de commencer le gala, là. On ne lui a jamais résisté. Elle, c'est la femme à régner, c'est vrai. Crois-nous, mon gars, à ta place, on n'hésiterait pas. À toi, je serai tout mon corps assisté à toi. La naissance d'une chanson. Alors ça se passe déjà dans la tête de celui qui va faire la musique. Donc, de Richard. Bah pas, oui, souvent moi, mais enfin les autres aussi. Bon allez, c'est toi. Alors c'est très simple, j'ai énormément d'appareils électroniques chez moi.
qui permet de laver. Ouais, ouais, ouais. J'ai un batteur électrique qui me remplace des fois, c'est super. C'est un contre-champ, tu vois. C'est chouette. Un petit machin, hein. Et les paroles alors, comment ça se passe? Ah, c'est monsieur. Ah bah c'est monsieur, c'est la tête du groupe. Ah, c'est la tête du groupe. Oui, oui. C'est le chef. Vas-y, t'as fait du théâtre. Ah, c'est le théâtre. Ouais, mon top avec moi. Alors, Serge, quand je te souffle, comment ça se passe pour les paroles? C'est ça, alors donc on a tous choisi les musiques les plus intéressantes, et puis une fois qu'on a choisi. Moi j'emmène tout à la maison et puis la plupart du temps j'attends que ça vienne. Des fois ça vient très tard, ça vient deux jours avant qu'on enregistre le disque. Et puis je bois du cognac et puis je fais les chansons la nuit. Je fais les paroles la nuit, voilà. J'ai gardé l'idée de William Carpenter et le côté du gangster et tout, tu vois. Ouais. On va voir. C'est pas grave à la voix. Alors tout ce qui est parlé, c'est Lionel qui va le faire en faisant son plan plantain. Bonjour, formidable. Enfin, il fera son texte lui. Hein. Ouais, très bien. Parce que ça, ça comme pour qu'il soit à l'aise, faut qu'il le dise lui. Tu vois, pas grave à la voix. William Carpenter à 12 ans, toi son père, pour une bière, il égorge à sa vieille maman. Regardez la grosse voix, là-bas. Il joue le pied, juste pour le pied, ah ouais. Pour rigoler, chapon, jababa. Il mit sa soeur sur le trottoir, d'accord. Juste pour qu'elle prenne froid dans le brouillard, et c'est pas tout. Raquettait ses grands-parents, il en voulait à l'humanité, au lait. Non, il peut refaire tout ça. Je sais pas comment le dire. Allons-nous en, viens, car c'est dimanche.